Des centaines de personnes ont pris part aujourd'hui à une manifestation à Montréal contre le projet de loi 31 du gouvernement Legault sur le logement. Un projet de loi qui permettrait aux propriétaires de refuser plus facilement les cessions de bail. J'en parle ce soir avec Cédric Dussault, qui est porte-parole du regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec. Bonsoir, M. Dussault. Bonsoir, M. Hassin. Alors, cette manifestation a eu lieu alors que pourtant l'article concernant la cession de bail dans le projet de loi 31 a été adopté lors de l'étude détaillée du projet de loi en commission parlementaire plus tôt cette semaine. Monsieur Dussault, avez-vous le sentiment, ou du moins pensez-vous que votre lutte, à la lumière de ces récents événements cette semaine, est vouée à l'échec, en quelque sorte? Bien, écoutez, c'est sûr qu'on n'a absolument pas d'ouverture, qu'on n'a absolument pas d'écoute du côté du gouvernement. C'est pas ce qu'on sent. Mais le but, en fait, de ces manifestations-là, c'est de se faire entendre. C'est de faire reculer le gouvernement, idéalement, mais c'est surtout de faire entendre un mécontentement. Puis à un moment donné, quand il y a une partie de la population qui est mécontente des décisions d'un gouvernement, si on a des élus qui sont à l'écoute, ils n'ont pas le choix de faire marche arrière. Alors, M. Dussault... Évidemment, maintenant, ça, on n'a senti aucune ouverture là, jusqu'à maintenant. Ça, on ne vous le cache pas. Alors, vu ce manque de fermeture, comme vous le dites, parlez-moi de l'état d'esprit des manifestants aujourd'hui dans la rue. Comment est-ce qu'ils vont? Bien, écoutez, quand on parle des locataires eux-mêmes, les locataires vont mal. Avec les augmentations de loyers qu'on voit actuellement, quand on parle aussi des gens qui vont être directement touchés là, par la question des cessions de bail, c'est sûr qu'il y a du désespoir. Parce que il y a des gens concrètement là, qui ont recours à la cession de bail parce que c'est leur seule option pour avoir accès à un logement. Dans le contexte actuel, il y a énormément de discrimination. Évidemment, la discrimination en matière d'accès au logement, elle est interdite, mais elle est omniprésente parce que les propriétaires ont les moyens de vraiment choisir leurs locataires et donc de discriminer allègrement. Donc, pour certaines personnes, il n'y a pas d'issue à avoir un toit sur la tête autre que d'avoir accès à la cession de bail. Donc, on a des gens qui ont des logements grâce à la cession de bail aujourd'hui. Il y a des gens qui recherchent un logement et n'en trouvent pas et comptaient sur la cession de bail. Donc, pour ces gens-là, évidemment, il y a de l'inquiétude, il y a du désespoir. Il y a beaucoup de manifestants aussi qui étaient là aujourd'hui, qui font partie d'organismes, qui viennent en aide à différentes populations, qui viennent en aide directement aux locataires, mais aussi plus largement là, à différentes populations, notamment qui vont vivre de la difficulté dans l'accès au logement. Puis on le sait que le projet de loi 31, non seulement n'agit pas dans le bon sens pour répondre à la détresse des locataires, mais en plus va aggraver la situation là, pour ces locataires. Un 3,5 rapidement, en 30 secondes, un 3,5 à Montréal, M. Dussault, en ce moment, ça peut varier entre 1 200 et 1 500 par mois. C'est ce que j'ai vu un peu plus tôt. Craignez-vous plus que jamais que ce projet de loi puisse entraîner des hausses de loyers? Oui. On vit actuellement là, dans une accélération des hausses de loyers depuis plusieurs années. L'an dernier, on était là, en moyenne à Montréal à près de 14 %, puis dans la moyenne québécoise, c'est ça aussi, là, c'est autour de 14 %. Puis c'est des chiffres là, qui s'accélèrent là, d'année en année. La cession de bail, c'était pas un mécanisme de contrôle des loyers. Là-dessus, on va être d'accord avec la ministre. C'est pas ça à quoi ça devrait servir. Mais par la force des choses, c'était le seul petit outil dont disposaient des locataires pour pouvoir avoir accès à des logements qui étaient plus abordables, puis éviter des hausses de loyers faramineuses. Donc, c'est sûr qu'en enlevant ce seul outil-là, on peut pas du tout agir contre les hausses de loyers qui explosent. Effectivement. Au contraire, ça risque seulement d'empirer là, dans l'avenir. Cédric Dussault, vous êtes porte-parole du regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec. Merci beaucoup. Merci à vous.